Salut à tous les Pokémaniacs, c'est Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. Ne bougez pas, aujourd'hui je vous apprends comment capturer très facilement Cobaltium sur le DLC 2 de Pokémon Épée Bouclier. Pour cela, premier prérequis sera bien entendu d'avoir le DLC du jeu, hein, l'Extension Pass avec les terres enneigées de la couronne. Deuxième prérequis sera d'avancer un petit peu dans cette aventure pour uniquement voir pour la première fois Silver Roy et rencontrer Sonia, qui vous dira qu'elle s'installe dans cette petite maison juste ici et vous montrera différentes empreintes au sol de Pokémon. Une fois fait cela, il faudra trouver les empreintes du Pokémon Cœur de Fer. Et pour cela, il faudra se rendre dans cette partie de la map, ici, et notamment plutôt ici à l'empreinte du géant, traverser dans la grotte et faire le tour de cette grotte pour pouvoir débloquer les 50 empreintes et récolter en fait les 50 empreintes du Pokémon Cœur de Fer. Une fois que c'est fait, vous retournez ici au hameau gelé et vous allez parler à Sonia. Vous lui dites qu'on a prélevé X empreintes et vous voyez, j'ai prélevé 100% des empreintes du Pokémon Cœur de Fer, 8% des Pokémon Grotte et des Plaines Vertes. Ce qui vous indique un petit peu où seraient les empreintes, bien entendu, sur cette île. J'ai donc découvert toutes les empreintes des Pokémon du Cœur de Fer. Bien joué. On va donc vous le révéler. Et justement, ce Pokémon Cœur de Fer, ce n'est autre que Cobaltium. Donc vous aurez compris que Roche, ce sera Terrakium. Et le vert, ce sera Viridium, bien entendu. A partir de là, vous prenez votre carte et vous vous téléportez, on vous a dit, au niveau de la mer Banquise. Ici, j'ai la croisée des trois vies qui a été débloquée puisque j'ai exploré toute la map, bien entendu. Hop, on prend son petit vélo. On va sur la droite directement, on évite tous ces petits Pokémon, si vous avez des super repousses, n'hésitez pas. Et on part direction la mer Banquise en vélo. Tac. On se rejoint sur ce petit îlot, tout simplement, et on prend direction le sapin, l'arbre juste ici. Et juste derrière, Cobaltium apparaît. Il ne vous restera plus qu'à sauvegarder, puis l'affronter, bien entendu, pour pouvoir le capturer assez facilement. Voilà. Attention, bien entendu, hein, il réapparaîtra pas forcément toujours au même moment. Donc, essayez de sauvegarder et de l'attraper du premier coup. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce quick guide sur comment capturer Cobaltium dans Galar. Et le DLC numéro 2 de Pokémon Épée Bouclier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les Pokémaniacs, et on se retrouve très bientôt sur les Ezekiel Gaming pour de nouvelles astuces. Salut à tous, et à bientôt!